Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum alaikum salam. Aujourd'hui, on est parti avec Frozen Terror Nocturne du Lamy Doulain de ce randomie du numéro 464. Malheureusement, je suis très déçu parce que, très certainement, je me tape une prestigieuse le blanc et ce qui veut dire que je vais me faire déchirer le cul totalement. Totalement, la déchirance totale du Lamy, toute la nuit, toute ouais, pompé up et tout ce qui s'ensuit. Je vais rien pouvoir faire. Ça va être infâme. Ça va être infâme. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je n'y suis pas rassuré. Je vous le dis comme ça, je ne suis pas rassuré du tout. Ça me fait chier. Ça me fait chier, voilà, je vous le dis. Mais bon, il y a peut-être, voilà, avec le shield, il y a peut-être moyen de faire quelques petits trucs, etc. On va voir. Il est diamant 1 en plus, alors bon, ça, on va les vérifier de suite, parce que bon, les gens prennent pour des jambons total, n'est-ce pas? Oui, il est diamant 28, il est les challengers 43. Mais bien sûr, alors on va les voir. Et s'il est diamant, donc j'ai perdu la game. Alors, s'il est diamant, bien entendu, je resterai sous ma tour en train de récupérer l'XP tranquillement. Et puis voilà, on va oublier. Et donc, oui, bien sûr, il est bien diamant, hein, il est diamant silver 1. Donc, non. Voilà, merci de votre participation. Les mecs me mettent la pression. Alors, je n'ai pas peur des diamants, mais. Non, pas du tout, parce que regardez, la dernière fois qu'on a eu un diamant au mid, j'étais tombé sur Urgot, il avait le blanc, il était diamant 2, j'ai marché dessus. Voilà, je veux dire, diamant, il y a des diamants, il y a des diamants, il y a diamant et diamant. Hein, voilà, il y a diamant XPK, Skyheart, et il y a diamant, Bobby du 84, quoi. Donc non, ça me fait pas peur. Mais quand tu joues en randomide, que tu joues en perso qui est forcément pas bien dès le début, c'est vrai que le niveau du joueur t'importe un petit peu quand même, ça te met un peu la pression, tu vois. Donc voilà. Donc on va Bobby le fleuriste, exactement, Bobby le fleuriste. Mais bon, c'est un peu chiant. Tu aurais pu dire Bobby le fleuriste, c'est vrai, j'aurais pu dire Bobby le fleuriste puisque son niveau n'a d'égal que de lui-même. Donc voilà. Bon, écoutez, comment on va s'en sortir dès le début? Je sais pas si on va tenter une sneak invade ou pas. Je ne sais pas. Ils ont Thresh, on a Shun, voilà. On a Ezreal et Corki, par contre, ça fait plaisir. On a Wukong. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je n'en sais rien du tout. Je n'en sais rien du tout. Donc, vous pouvez voir que je suis toujours invisible, n'est-ce pas? Hein, hop, hop, voilà. Donc, mon cerveau a disparu. C'est pas comme si j'en avais eu un jour, hein, bien sûr. Mais il a disparu. Je tenais à vous le signaler. Donc, on y va. On invade. Est-ce qu'on invade? Est-ce qu'on invade? Est-ce qu'on invade, les amis? Dites-le moi, s'il vous plaît. J'aimerais savoir. Parce que moi je suis déjà parti en fait. Moi je suis très loin là. Je suis parti. Oula, je suis très très loin. Donc voilà. 20 secondes de cooldown sur le Z, c'est beaucoup. Hein, c'est beaucoup trop. Bon, on va prendre le Q-spell en premier. On est parti à des. Hop, 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 pourquoi tu t'as. Regardez comme il est beau ce nocturne. Je suis nocturne. Ma lame a soif. C'est Illidan. Tu prends ton E, tu prends ce que tu veux, ma gueule. Ok. Ok. Et c'est le First Blood de cette Leblanc qui a niqué la game. What the fuck? Voilà, donc là, j'ai réussi mon gank tout seul, hein, bien entendu. Ceci était une invade de Nocturne Alone. Voilà! Voilà, je veux dire. Oh! 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 Bernard! Oh! C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, moi je tue, hein. 5K, oh, et 5K, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? 5K, tout allemand, tout allemand. Bon, on passe là. Bon, c'est bien. Donc là, le blanc a, comme qui dirait, niqué, mais très légèrement, hein, un tout petit peu à la destroy the game, ok? Donc on récupère ça. Bon, nous on part sur rien d'autre. Hein. Genre, je la joue très très tranquille, c'est-à-dire je pars sur des potions, et puis voilà. Donc j'étais énervé, voilà, j'étais énervant. Je pense que si Xavier voit ce mou, il va pleurer, ouais, c'est vrai, c'est vrai. S'il voit une Leblanc qui fait ça, il va dire non, c'est pas possible, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens la vérité. Mais c'est pas faux. Bon, alors nous on va la jouer tranquille, hein, parce que cette Leblanc, même si elle a niqué la game au début, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, hein, soyons réalistes. Surtout que moi maintenant je n'ai plus de flash, donc ça veut dire que je suis un perso assez vulnérable au gank de mon adversaire qui va vouloir donc me déchirer la gueule de manière sensuelle et sexuelle, ce qui est très important. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai un passif qui me permet de pusher la lane comme un guignols. Que si elle veut s'approcher, j'essaye de la défoncer. Voilà, garçon, voilà, qu'est-ce? Oh là, il a voulu le récupérer. Quel grand malade! Quel grand malade! Oui, ah bah, comme d'habitude. Ok.
D'accord, ok. Ça marche. Cimer. Bon, est-ce qu'on tente des trucs ou pas? Oh, il m'a silence et tout, putain, le grand malade. Moi, je vais juste pusher, je veux juste récupérer du farm. Hein. C'est pour ça que je suis venu sur cette mid lane. Donc, j'attends juste qu'elle me saute dessus encore. J'essaierai d'utiliser mon shield. Voilà! Alors, Bernard! Fais-moi le malin maintenant. Alors, on va poser cette ward stratégique ici. Le jungler, c'est qui déjà en face? C'est. Ah! Mes wards ne servent à rien puisque c'est Evelyn. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Oh là là, quelle bande de salauds! Je vais mourir. Hein. Je vais mourir. Non, j'ai niqué la game. J'ai niqué la game, j'aurais dû m'en douter. J'ai pas claqué mon Z avant. Là, c'est complètement my bad. Là, c'était, on peut le dire, cette action était dégueulasse. D'accord, mais over 9000, c'était de la grosse merde en barre de 12. Donc, je mérite de mourir. Oh, on va prendre ça, quoi. On va prendre un peu de dégâts. Et puis, on y va. On y va. Parce que je reprends une potion, quoi. Je reprends une potion. Et on y va. Tac. C'était immonde, c'était immonde. Ah ouais, S4, full Evelyn coming, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est pas mal chiant vu qu'il n'y a rien pour la révéler, quoi. Il n'y a plus rien du tout. Mais là, c'est my bad, hein, parce que là, je l'ai vu, le changement d'attitude. Donc, j'en étais sûr qu'elle venait gank. Mais j'ai pas claqué mon Z, j'ai voulu claquer après et je l'ai pas claqué du tout au final. Donc, on peut dire que c'était bien de la merde. Bon, là, me fait 0 damage pour l'instant. Donc, moi, ça me va, hein. Si tu veux, écoute, il y a un moment où... Il y a un moment où tu me fais pas de dégâts, je m'en carre. Puis moi je me régène. Non. Bon, je vais le prendre lui. Ah, ça ne l'enlève pas, d'accord. Bah, je fais bien de tester des trucs avec Nocturne. Alors vous voyez, j'ai claqué le Z au moment du root en fait. Pour voir si ça l'enlevait, mais non. Ça ne l'enlève pas. Donc là je suis au courant maintenant. Donc là il est un peu déçu parce que bon, et s'il veut s'approcher. Bon, mon Z ne se déclenche jamais par contre. Hein. Je sais pas si c'est un complot de la part des joueurs. Mais jamais il ne se déclenche. Non, c'est pas la peine, Hachan, tu peux back, hein, tu peux back. Pas besoin de gank, mon ami. Tu peux y aller. Ok, bon là je me suis fait complètement brain. Oh bah là par contre elle a niqué la game puisqu'elle me l'a déclenché quand même. Faut que j'arrive à choper le bon timing. Ce sera bon. Bon, il est niveau 5. C'est récupéré, lançons cette potion de mana. Donc moi je suis bien au niveau de la mid lane, hein. Très honnêtement, pour l'instant je n'ai pas de problème particulier. À part si je voulais vraiment pusher la lane, je vais essayer de tout donner. Et là je suis sur ça donc je fais plus de dégâts. Blalalala. Encore une fois j'ai cru qu'il allait m'attaquer mais non. Il m'a brin. Il m'a bien eu. Bon, il m'a silence, on s'en carre. Nous on va aller faire ça très très rapidement avec le petit nocturne. Bon, on est niveau 6, ça c'est plutôt une bonne chose. C'est quoi la portée du 6 maintenant? Oh putain, elle est nulle à chier. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent de l'époque de Nocturne quand il est sorti? La portée faisait quasiment toute la map. Ça c'était bien, ça c'était vraiment excellent. Et puis un beau jour est arrivé le nerf. un beau jour est arrivé le nerf et on a pris la bite quoi. C'était infâme. Mais je me souviens qu'au début, oh my god quoi, le perso quoi, tu pouvais traverser la map en mode what the fuck. Ouais, ouais, c'était pété clair sûr, je suis d'accord, mais c'était bien, c'était la bonne époque ça. Mais pourquoi je claque mon Z? Je me trompe à chaque fois, je vais claquer mon cul. Oh, ça me sert à rien en plus, hein. 50 de mana. Bon, attendons tranquillement. La portée augmente avec les levels, d'accord. Oh, je sais pas, hein, ça fait tellement des années que j'ai pas joué Nocturne, hein, je serais pas vous dire, hein, je ne serais absolument pas en mesure de vous dire si ça fonctionne ou pas. Mais ouais mec. Oh là là, mais quel bande de putes. Adieu. Bon, j'ai eu claqué mon flash. Bon, ils m'en veulent très clairement hein, sur la mid lane. J'en peux plus, j'en peux up. Alors récupérant de la vie. Moi j'aurais tendance à faire un petit Tiamat. Si ça vous tente. Ça vous tente ou pas? Moi ça me tente. En plus là je vais avoir de la régène. Avec le passif un petit peu. Voilà. Donc c'est très bien.
Alors, non, il n'y a pas de Srimac, mais non, n'importe quoi, il n'y a pas de Srimac du tout. C'est juste que là, bon, la Leblanc, elle veut ce feed. C'est tout à son honneur. Elle veut ce feed. C'est une Leblanc. Elle a besoin de ce feed. C'est vital. Je veux dire, c'est obligé. Il n'y a pas de demi-mesure à avoir là-dessus. Mais malheureusement, je n'entends pas trop de cette oreille. Et c'est pour ça qu'elle se fait camper comme une chiennasse. Chiennasse de la casse. Voilà. Et ça, au final, j'ai bien farmé quand même. Donc ça me va. Ça y est, c'est ça les gars, est-ce que vous avez besoin d'aide? Oula, j'ai niqué la game. Allez, tarde plus mec. Alors Bernard! Oh là 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 là. Bon, c'est bon. On les a hume. On les a hume. Ils ont voulu faire les malins avec nous. Vous avez voulu faire les malins? Bon bah nickel. Quoi, Kata est AFK? Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que tu l'as défoncé, du coup elle est AFK. Oh, mais c'est inadmissible. J'espère que c'est pas une game où on tous se mettre à AFK là. C'est quoi ce genre de game? Pas ça qu'on veut nous. On veut une vraie game. Ok. Est-ce que je fais une trinité aussi? Je pourrais faire une trinité. Putain, si je fais une trinité avec un. Avec un. Comment ça s'appelle? Oh, trinité plus. Tiamat, voilà, Hydra. Ça peut être assez intéressant. Genre en mode vitesse d'attaque, complètement rien à foutre des gens. Bonhomme, bonhomme devant l'éternel. Ce serait nickel, donc moi je poche. Ah non, ah mais non, il y a quelqu'un qui l'entend pas de cette oreille. Et ouais mec, ça marche pas. Oh! Oh man! Oh c'était de la merde! Excuse-moi, c'était de la merde. Oh c'était nul! Oh c'était nul à chier! Oh c'était 0 sur 20. 0, 0, je t'ai fait claquer l'ignite, ça c'était nul. Bon là par contre là je dois avouer que c'était pas très bien fait de sa part. Elle a jeté son ulti dans les airs. Non non Leblanc, tu peux pas faire ça, la vérité. J'arrive. J'arrive mec. Passe-moi l'aggro mec. Ouf, tu m'as fait peur. Là j'ai cru que tu m'avais mis une feinte. Ah non mais attends. Ah si c'est bon j'ai. Mais c'est toi qui as claqué ça ou putain c'est Eve. What? What the fuck? What the fuck? Non, j'ai cru que c'était F qui était quelque part ou un truc du genre là. Tu m'as fait flipper l'espace d'un instant quoi. My god. Allez, let's go. J'arrive. Alors, on passe ici. On est bon. Ça va être nickel. Merde, merde, merde. Donc, ouais, je pense que je vais faire une trinité après le Tiamat. Enfin, le Tiamat, la Hydra. Parce que la Hydra là, avec la puissance de notre passif, il y a moyen de faire des choses complètement folles. Complètement débiles, n'est-ce pas? Donc là, Leblanc, on va aller la chercher genre en mode un peu énervé quand même. Enfin, genre en mode bonjour, respecte-moi, quoi, je suis un papa. Allez, viens. Rien à foutre, mec. Je t'ai tué. Ah, il lui a laissé le kill. Il lui a laissé le kill. Donc c'est bon, on l'a tué. Moi, je m'encarre, ma lane va pêcher, je pourrai récupérer tout ça. Je n'ai pas assez, je crois que c'est 600, 600... Est-ce que je prends des bots? Ouais, vous savez quoi, je prends des bots avec un peu de RM quand même. Et je vais partir sur des Mercury pour avoir de la ténacité. Comme ça, on arrêtera de me faire chier. Ce sera parfait. Oula, il y a des outils qui sont lancés. Cette lane double AD carry qui fait des émoules. Oh là 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 là, Krabs qui prend la bite et qui se fait découper la gueule sur la bot lane. Oh mon dieu, mais c'est terrible! Mon dieu. Mon dieu, Jean-Louis. Oh là là, il lui met très cher. C'est un Ignite. C'est un Ignite et tu vas mourir et il s'en sort et donc vous avez un peu détruit la game. Merde. Oh merde, oula attention. Une ward qui a été posée. Est-ce que Katarina a vraiment FF ou... Oh non elle est revenue hein. Non non elle est là hein. Alors là je suis désolé, il n'y a pas de... Me dites pas s'il y a un SS ou pas hein, parce que bon elle est morte hein, donc moi il n'y a pas de... Voilà elle n'était pas revenue sur un mid lane. On est d'accord. Elle était tombée, elle était tombée, elle avait fait boule. On pose une ward ici, ward stratégique. Le blanc va arriver. Moi je vais aller faire les vrais. Bon 88 creep, on est qu'à 12 minutes de jeu, 88 creep. Bon ça va, c'est pas la mort. Allez bim, bim. Ça je peux le faire sur les sbires ou c'est que les champions? Non c'est target, donc c'est tout le monde. Ok. Bon, let's go. Le blanc.
Oh non! Mon flash! Oh putain! Putain, j'attendais pour mettre mon flash. Mais putain, mais je suis nul à chier. Je suis dégueulasse. Merde alors. Oh là 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 là. Nul à chier. Nul à chier. Ça, c'était le pire move ever. Oh non, nul. 0. 0 sur 20. Je me mets 0 sur 20. Bon, par contre, là, le blanc, là, elle me saoule. Donc, je vais devoir la tuer. Là, je fais pas assez de dégâts en fait. Je fais 0 damage. Donc, j'ai pris les Mercury. Ça va réduire un petit peu ses damage. Ah, c'était un petit peu mauvais. Non, mais tu peux le dire. C'était de la merde. C'était nul à chier. C'était pas un petit peu mauvais, ça, c'était... Là, d'ailleurs, j'ai un de mes yeux, oui, parce qu'un de mes yeux, c'est pas trop bien. Un de mes yeux qui est tombé par terre, par terre. Et il s'est détruit, d'accord, de cette violence des propos. Par contre, SS, attention. C'était nul à chier, c'était de la merde, on peut le dire, soyons honnêtes. Oh là 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 là, go. Je l'ai. Et ouais, mec. Bon. Écoutez, maintenant, je suis très énervé, par contre, je suis très contrarié. Donc là, je vais la race un peu. Ouais, mais non, quoi. Oh là là, non, mais en plus, non, c'est pas possible, quoi. Genre, tu utilises ton ulti en mode NPGG, quoi. Alors, ça ne la touche pas. Je suis un peu déçu. Bon, les gars, on va se réveiller un petit peu, là. Il faut que je vienne gank encore, comme un génie. SS. Non, c'est bon, elle est là. Ça ne la touche pas. Ouais, je pense qu'il y a Eve. Hein. Eve, quelque part là. Eve lève les bras et met du Narta. Elle m'en veut un petit peu. Bon, j'en suis où? Faut que je termine. J'ai le Tiamat qui est terminé. Le Tiamat. L'Hydra qui est terminé. Je vais faire en phage juste après. Ça va bien m'aider. SS toujours. Attention. SS de la mid lane. J'ai mon ulti. Hein, si vous avez besoin. Mm-hmm. Ça SS toujours. Hein. Ok, ça permet de dépush comme un bonhomme. Est-ce qu'on y va ou pas? Oh, ça back un peu trop. Go pusher quoi. On push. Non, ça ne fonctionne pas. Il y a une TP. TP de la Kata. Mais j'annonce qu'on y va. Oh putain, là je suis dans la merde. Que je vais mourir. Allez boum. Alors Bernard. Alors. C'est qui s'exécute comme un bonhomme. Bim. Dans ta gueule. Bon c'est bon, on a récupéré ça. Bon, j'ai récupéré 2 kills hein, au final. Enfin 2 kills ou 1, je sais plus. 1 kill, c'est déjà ça. Mais je leur ai rien donné. La garde meurt mais ne seront pas mon cher. Je suis désolé. Ah, il s'est fait brin son flash, il a perdu un flash, il a perdu du temps, et moi bah, je n'ai rien perdu au final, puisque je suis un grand bonhomme. Bon par contre là ça ne va plus, la Katarina est en train de se feed, ou je suis en train de rêver là, avec ses 28 creeps. Ça ne va pas aller là ça, ça ne va pas, je suis désolé les gars, ça ne va pas. Bon je vais récupérer ça, je vais récupérer le blue buff, qui c'est qui est feed en face, voyons voir. Donc on a le blanc qui maintenant a 4 kills quand même, hein. Faut pas dénigrer tout ça. Ouais. Mais chez nous, qui c'est qui a des kills? On a le Corki qui a quand même des kills. Vous devriez faire une trinité en bas, les gars. Faites tous des trinités comme des bonhommes. Allez, bim. Ouais, nickel. Ça, attention. Oh putain, mais les mecs sont perma sur la bot lane. Je vais arriver, mec. Ah, mais non, dans 40 secondes. Tu es déçu. C'est bon, tu as cancel tout ça. Voilà, calme-toi. C'est qu'elle fait des dégâts en plus.
Oh là là, ça flash. Et ouais mec, ça flash. Tu flash. Tu flash. Bon, 12 secondes et j'ai l'ulti. Baitez les gars. Ok, nice. Est-ce que la Kata est morte? Bon, elle est là-bas. C'est bon, j'ai eu l'assist. Nickel, les potes. Nickel. Bien joué. Là, c'est du team play. Là, c'est du team play. Voilà comment on s'en sort. Bien joué, les gars. Fallait juste bait un petit coup. Et puis, on les défonce. On va repartir au mid. Bon, là, le blanc, là, elle arrive pas à trouver sa voie pour l'instant. Bon bah Nocturne, on s'en sort avec Nocturne là. Pas mal, c'est pas mal. Pas mal du tout, même si le début a été pas évident. Avec des moves bien sûr bien nul à chier comme on les aime hein. Du genre nul. Oula, attention il arrive, non c'est mon tabac. T'es un bonhomme, t'es un dieu vivant, t'as réussi à t'en sortir. J'ai claqué mon ulti sous Blue Buff. Donc c'est parfait. Tiens on va prendre ça pour avoir des dégâts monstrueux. Énormes tu vois. Et hop on repart, donc dès qu'on a terminé la trinité. Là ça va rigoler zéro. Est-ce qu'on a le droit de se rejoindre au niveau de ce Drake? Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Non? Moi je pense que c'est faisable. Ce serait nickel. Let's go! Viens avec moi, Yamakaku! Yamakaku est présent. Est-ce qu'on redescend encore sur cette bot lane pour leur dire non? Toujours le blue buff. T'entends mec, enfin, on prend la bot lane quoi. Voilà. Voilà, et on enchaîne avec un Drake. Non, on fait ça. On fait ça, les gars. Hop. Et là, on est au taquet, les mecs. Voilà comment ça se passe chez McDonald's. Parfait, parfait, parfait. Oh, magnifique. Magnifique. Oh le flash temps de génie. Impeccable. Oui bon ennemi rampage. Prenez ça les gars, prenez ça. Bon je vais faire la jungle. Donc là on pèse un petit peu. Oh là là ce retournement de game. Vous avez vu quand on s'énerve un peu? Ce que ça donne. Il y a des TP de partout. Donc bon Sean t'es venu me sauver mais je pensais pas qu'il y avait autant de monde. Le Sean il est déçu quoi. Le Sean il me sauve la vie. mais il meurt. Bon fromage pour toi. Nice. Bien joué les mecs. Bon les bougeons. Ouais sorry Sean. Mais là j'étais bon je comptais pas tout faire. Ah ouais la 5-2 la cochonne. En tout cas, le Shun il est réactif hein, sur ses ultis, c'est un putain de bonhomme quoi. C'est parti. Ouais, faut faire attention à la Leblanc, elle a 5-2. Mais ça ne t'inquiète pas, j'en fais mon affaire de cette Leblanc. Je vais aller la chercher moi. Moi je vais lui dire non, je vais lui dire de s'arrêter un petit peu, de se calmer de suite. Parce qu'il y a un moment où je dis stop aussi, t'inquiète pas. Claire sur Ortania, combien toi? 2-5, mais bon t'as farmé donc voilà, c'est pas mal. Hein. Allez, viens, push avec moi mec, push avec moi. Juste moi je push la lane quoi. J'ai mon ulti au cas où hein, sur la bot lane. Donc si on doit y aller on y va. Mais ils s'en sortent très bien. Voilà très bien. Très bien Jean-Louis. Voilà alors je suis avec Jean-Louis. Ouais non mais non. Oui mais non. S'il te plaît calme-toi. Ouais mais non. Rien à foutre. Oh là là j'en ai rien à foutre. J'en ai complètement rien à foutre en fait. Juste là elle m'a mis tout son burst. Dommage pour elle. Putain mais reviens. Non elle veut pas venir. Dommage. Ouh la Kata. J'aimerais tellement y aller quoi. Mais bon il y a là le blanc derrière. Je vais mourir. En fait si j'y vais maintenant je vais mourir.
Oh le smite. Smiteur de génie. J'ai pas eu le temps de l'en empêcher. Est-ce que je descends sur quelqu'un ou pas? Moi les gars j'ai l'ulti hein. À tout moment je peux aller sur quelqu'un. Là lui il est pas bien. Bon on fait quelque chose ou pas? Allez! Allez! Oh là 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 là, mais ce génie! Putain! Double kill, man! Ouh, la régène qui sortait de l'espace! Oh, c'était tellement tendu! Mais on a réussi à survivre un petit peu. T'as Shen? Shen, ce génie. Oh là 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 là! Bon, apparemment, je régène un petit peu. On va faire une BT. Après, on va faire une BOTRK. D'accord, au moins on aura un tout petit peu de la régène. Et ça risque d'être pas mal quoi. Ouh, il m'a sauvé la vie quoi. J'aurais pu fuir avec mon ulti, c'est vrai. Mais en fait, je sais pas si j'avais une dot sur moi ou un truc du genre. Quelqu'un avec un red buff, ça aurait pu me tuer alors que j'ai claqué l'ulti. J'ai pas... Vu qu'il a un gros cooldown quand même, l'ulti, j'ai pas voulu le tenter. Je t'avouerai que là j'ai joué assez la safitude incarnée. Vous savez quoi, on va faire même la BOTRK avant, histoire de. Parce que ça me manque de pas avoir des items à activer. Moi j'aime bien avoir des items à activer, je trouve ça plus sympa. Plus LOL, plus XDMDR, tout ça. Donc hop, on va le récupérer. Et on y va. On y va, on y va, on y va. Bon alors, ça se passe bien Nocturne. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, Nocturne AD. J'étais pas très confiant, mais final, au final, si, c'est pas mal. J'arrive les mecs. Putain, Yamakaku quoi. Pèse tellement Yamakaku. Cimer frère. J'arrive. Non mais moi j'y vais hein. Nice. Alors Bernard. Oh il va pas le tuer. Dommage. Si j'avais mis le sabre vissé, peut-être que je l'aurais tué. Je sais pas si j'avais la portée néanmoins. Mais bon. Oh là là, les dégâts du bordel! Non mais attends, t'es sérieux avec moi? Je vais devoir me régène. Ça va me prendre beaucoup de temps de me régène. Donc je vais aller là. Voilà. Donc on est full life. Le perso qui peut se régène assez rapidement. C'est pas le bon. Et si, c'est le bon. Oh non! Mais non! En fait j'étais tout seul! J'étais tout seul! Merde! Oh bien joué! C'est parti, le cancel partout! Claircior qui fait le move! Attention, il n'y a plus beaucoup de vie parce qu'il va avoir le flash stand encore une fois! De Yamakaku, ce génie du Shen! Oh là là là, mais quel génie du Shen! Incroyable! Génie ce mec! Un génie! Non mais moi je fais pas de défense, d'accord? C'est un principe de base. Le principe de base de ce personnage, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de la défense. C'est interdit. C'est interdit par la loi, c'est puni d'ailleurs. Puni de mort par strangulation. Donc je ne peux pas faire de défense. Donc j'ai oublié de faire que de l'attaque. D'accord? Voilà. T'es mort parce que t'avais pas enlevé la pink? Ah, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis mort parce qu'ils m'ont attaqué et ils m'ont fait des dégâts. Je pense. Je ne suis pas sûr. Je crois que c'est un truc comme ça dans le jeu. On s'attaque, on fait des dégâts. On essaie de tuer les gens. Mais voilà. Oh là là, il a volé le blue buff. Il a volé le blue buff. Oh là 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 là. D'accord, ça dépêche un petit peu le bordel. Vous savez, son passif, clairement, plutôt pas mal quoi. Quelques vitesses d'attaque. On est à 1,66. Bon, c'est bon, ils ont fait le. Oh putain, il a fait le Drake. Mais Yamakaku, il est sur tous les fronts ce mec. C'était un génie. C'est un génie. Autodidacte. Ah bah oui, flash, bah bien sûr, bah bien entendu. On y va, on le tue. 3 secondes avant que je puisse.
Voilà, bien joué. Mon dieu. Mon dieu. Il sort beaucoup trop là, ouais. Bien joué, mec. Bien joué, mec. Ouais, mec, j'attaque trop vite maintenant. Regarde, bim. J'aimerais régène vite fait. J'ai bientôt la BRK, je pense. Ah, oh bah oui, là, je l'ai clairement. Putain, ce perso farm plutôt bien aussi. Pareil. Non. Oh, ils sont sérieux, ils m'éventrent et tout là. Ils en ont rien à foutre de ma vie. Oh là là, magnifique. Allez, boum 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 boum. On met tout, on meurt. Mais bon, c'est pas grave. C'était pour la bonne cause. C'était pour la bonne cause. On tente des trucs, je suis désolé. Je me suis fait éventrer. Ils m'ont tiré comme ça, vous n'avez pas vu. Avec avec leur espèce de grab dégueulasse. Qu'est-ce qu'on peut récupérer? Maintenant, on a dit, on va faire une BT. On est d'accord. Parce que là, j'ai pas assez de régène. Donc, ça me déçoit un petit peu. Et peut-être que tout à la fin, je vais faire un rendu. Un truc ou avec de la vie, tu vois. Mais d'ici là, non. Là, je prends de la régène. De la régène. Je prends les random mid, c'est quoi? Parce que je prends un perso random et je joue mid. Incroyable, n'est-ce pas? Oui, je sais, c'est incroyable. Et du coup, ça se passe bien. Non, mais pas en rendu 1. C'est vrai que c'est pas marrant en rendu 1. Je ferai un GA. Vous savez quoi? Je ferai juste un GA en fait. Voilà, je ferai de la défense. Vous voulez de la défense? Je ferai un GA. Je ferai un GA. Calmez-vous, je ferai un GA. Ça s'arrête là. Donc, on va aller récupérer un peu de farming sur la top lane. Donc, c'est parfait, n'est-ce pas? Et là, on s'en tire plutôt bien. Voilà, Claire sur. Oh là, qui ne s'arrête plus. Attention, là, le blanc. Oh là là, il a brun. Il va la tuer. Oh là là, le double kill du génie. Et ainsi s'achève la rencontre. Moi j'ai pushé le top, ok les gars. Oh putain, y'a un blue buff. Non, cherchez le blue buff avant. Tu les as jambon, mec. C'est un génie ce type. Génie du jeu. Ok. Donc si vous avez besoin d'aide, vous n'avez qu'à le signaler. Je pense que bon, vous êtes plutôt bien. On va aller récupérer cette top lane rapidement. Putain, ça va tellement vite. Des push de l'éternel. J'ai un peu d'AD ou pas? 269. Après sur la flag, bon j'en gagne bien plus. Mais je continue à push. On va les rendre fou. Putain, il y a tellement de farming aussi sur la bot lane. C'est pareil, il y en a partout quoi. 324 quoi. 327. Je pèse un peu ou pas? Voilà, merci. Emballé, c'est pesé, au revoir. Oh là là, il y a tout le monde. Oh mais il y a tout le monde. Mais vous n'avez pas le droit. Mais laissez-moi vivre un peu. Laissez-moi vivre. Oula, oula, t'es pas bien toi, t'es pas bien. Tu vas mourir. Oh le grab. Et le double kill. Et pendant ce temps là, le Shun push sur la bot lane. Quel génie. Donc là, nous c'est très bien. On a fait notre truc. Mais ils veulent pas me laisser tranquille. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Bates, ouais. Totally baited. Oh là là. Ah, j'ai été complètement bait par cette Evelyn là. Je m'attendais pas du tout à ça. Incroyable. Bon, c'est pas grave. Donc là, on a l'ABF bientôt. Pas assez de vol de vie, exactement. Pas assez de vol de vie. Après, je vais faire des PV. Après, je fais genre un maillet gelé, tu vois. Genre le mec qui ne se respecte pas. Qu'on a rien à foutre. Clairement, j'en ai rien à foutre. Voilà, alors là, par contre, merci. Mais là, j'ai des dégâts, ok. Donc, respectez-moi. On va les stacker cette. Ah, mais j'ai pas encore la BT, je suis con. Il me faut. C'est 9850. Donc, il me faut 850 et je pourrais commencer à la stacker. Je vais récupérer masse de thunes, masse de gold. Oh là, dommage. Putain, mais Yamakaku, il est là. Il allait le chercher, hein, pour essayer de smite, je suppose. On n'a pas fait de baron, on n'a pas fait d'objectif pratiquement dans cette game. C'est vrai que bon, on s'en carre un peu, j'ai l'impression. Est-ce que tu en as besoin, Yamakaku? Parce que je vais devoir télévoler. Comme ceci. Je suis désolé, Yamakaku, mais tu es un peu trop présent sur les fronts, quoi. Donc ça m'énerve. Alors, est-ce qu'il a été bait, là? Non, t'as pas été bait? Non, mais là, on va là. Je fais baron, les gars. Là, ils peuvent rien faire. Ouais, cette régène que j'ai, ouais, il me frappe. J'ai combien de vol sort vampirique? Life steal 37%, voilà. Est-ce qu'il y a un problème ou pas?
Non, mais on le fait à deux, hein. On fera le deux avec Jean-Luc David. Voilà, c'est bon. Donc c'était un Ashtore très rapide. C'est le fils caché de Clairstore. C'est ce que j'ai dit au début, hein, quand j'ai vu un invité. Voilà, je vais pas te le repiquer deux fois. Je t'aide juste. Ce serait pas très sympa, j'avoue. Il y a beaucoup de farm sur la top lane. Mec, attends, j'ai bientôt de quoi avoir ma... Oh, je l'ai. BRB, BT. Baquet, mec, baquet. Baquet, parce que là, la game peut nous coûter cher. Elle peut nous coûter la game, tout simplement, je vous le dis. Si on fait des conneries. Oh là là là, les génies, ils ont claqué leur Shurelia. Tu croyais que ça va suffire? Tu crois que ça va suffire, Bernard? Putain, mais Thresh, la victime. Victime de l'an 2000, Thresh. Il s'appelle Glibert. Le mec, il veut nous faire croire que tu t'appelles Glibert, mec. T'appelles Gilbert, en vrai. Avoue-le, victime, va. Victime. Victime, mec. Ulti, si besoin. Avec Shen. Oh putain, oh putain, oh putain, go. Ah bah non. Voilà, hop. Allez, tard plus. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que j'ai mis des dégâts à tout le monde? Et voilà l'ulti de Shen dans la barricade. Il le défonce la gueule. Et voilà, c'est fini. Emballé, c'est pesé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un peu trop de regen pour toi. What? Attends, pourquoi je suis à 0? J'avais clairement rien stacké du tout. Donc je vais devoir aller. Je vais prendre le bot. Je vais prendre le bot juste après parce que je n'ai rien stacké. Donc c'est inadmissible. Je vais prendre de la RM. Est-ce que je fais un GA? Est-ce que je fais un GA? Je fais quoi, les gars? Putain. Dites-moi. Dites-moi, je suis perdu. Dites-moi. Un statique. Non, mais j'aimerais un statique. Putain, il y a des gens qui veulent que je fasse un statique. Mais pourquoi? Statique. Statique. Tout le monde veut un statique. Ok, ok, les gars, on fait un statique. Putain, c'est parti, ma gueule. On y va. Donc là, j'ai pas assez. Bon, bah, je vais faire ça. Je fais un statique alors. Bon, laissez-moi le bot juste. Je vais aller stacker tout ça. Go, 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 go. Regardez comme je suis rapide! Je vais aller récupérer tout ce farming qui m'attend sur la botlane. Wow! Et je viens de stacker 16 déjà. Je l'ai fait à moitié avec une putain de wave. Moins de P. Là par contre, j'ai masse gold. Hein. Genre masse gold rapidement. C'est pour ça que j'ai pris ça en premier. Ouais, prends le bleu, mec, on s'en carre. D'accord, j'ai utilisé l'ulti pour aller la chercher, genre en mode no care total, rien à foutre. Nous, on a pris une mid. Allez, bah con. Non, mais il va y avoir la famille, mec, donc on va juste back en fait. 1700, putain, je suis déçu. J'ai pas assez, j'ai pas assez. J'ai pas assez! Oh là 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 là, il me faut des gold, il me faut des thunes. Il faut que je pèse dans le milieu de la thune, au milieu du dollars, please. Je suis à combien? 1700, il me faut 1700 en tout cas, 1560. Ouais, je pense que j'aurai assez avec ça. Là. 47, non pas assez. Ah, il y a une putain de vresse là-bas, non, je vais aller pêcher le mid, rien à foutre. Rien à foutre s'il y a le blanc. Ce qu'il y a, c'est que le blanc, elle peut m'escape comme une chagasse. Ah bah plus maintenant. Putain, mais viens! Mais les mecs ont tellement peur, quoi. Putain, ça me fait chier. Hein. Fais gaffe, mec, tu vas peut-être mourir à cause de moi. Oh, il va mourir à cause de moi. Oh putain, j'ai niqué la game. Quoi? Encore un mec qui déco... Ah non, c'est le même. Putain, mais ça me saoule, les gens s'en vont quoi. Fou. Quand je vais les attaquer, ils se barrent, mais c'est pas vrai. Hein. Bon, c'est my bad, Chen. Je pensais que j'allais tuer la Leblanc parce que j'ai vu qu'elle avait utilisé ses deux dash. Je pensais pas qu'elle avait son flash. Déception. Deathvance, c'est my bad.
my bad si tu es tombé au front pour me délivrer, me sauver la vie. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais on la bute. Mais non. Elle avait pas envie. Elle entendait pas de cette oreille, apparemment. Mon limite est en train de pêcher. Est-ce que la Evelyne va arriver par là? Je l'attends. Il y a moyen qu'elle passe par ici. Voilà. Ouais. Tu vois, Evelyne, alors, tu crois que tu m'as pris pour un Américain? Donc là, moi, je suis full stuff. Hein. Je vais chercher rapidement. On se regroupe, regroupe mid. La F fait mal, ouais, mais on peut les défoncer. On fait encore plus mal. On fait encore plus mal. Après, faut pas que je crève d'un coup. C'est juste ça. Parce que bon, le blanc, apparemment, elle ne m'aime pas trop. Et la Miss Fortune, surtout, elle a du stuff. Hein. Oh là 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 là, on s'est fait défoncer quoi. On aurait pas dû y aller comme ça. Ils ont pas de vie mec, ils ont pas de vie. Ils ont pas de vie. Tue les brins. Oh merde, tu vas mourir. Oh là là, dommage, 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 dommage. Bon là on va perdre la game. On est 4 malheureusement. Un mauvais choix d'engage. Merde, 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 merde. Un visage spirituel, je sais pas. Moi j'aime bien rester sur full dégâts. Je pense qu'on va perdre la game de toute façon parce que là il y en a un qui va toujours pusher. Mais là on a vu qu'ils avaient plus beaucoup de dégâts. C'est pas la bonne engage. Je pense qu'il faut que laisser le Shun essayer de mettre le flash tent. Enfin le tent de génie. Si t'arrives à défendre ça, Corki mon gars, ça serait parfait. Ouais, il faut vraiment le laisser engage. Ah, il s'est reco. Voilà, on y va. On est parti. Let's go. NP, mec. NP, elle a disparu. Ah, mais non, mais non, mais non. Ok. Et il y en a qui vont là. Allez mec, je me régène alors. Je me régène ou pas, putain. Putain, la régène. Oh, la régène de chien maigre. Quoi, cette régène de ouf. Non, on prend ça. Hein. Il manque Evelyne. Pour l'inhib, on sait jamais. Ouais, tu vois, voilà. Elle est là. Ouais, dégage. Donc alors, apparemment, elle voulait prendre l'inhibiteur, mais je ne l'entendais pas de cette oreille, donc je la tue. Non, merci. Une TP top lane. Voilà, c'est pas trop ça non plus. Donc on va continuer de pusher les mecs. Pusher là. Donc là on est énervé, d'accord. Pire TPU. Pas d'accord. Push, push, push. Pusher partout les mecs. Donc on se split. On en profite là. Il manque du people. Ah, c'est bon, alors ça c'est ton tour maintenant. Ok, on est d'accord, on prend cet inhibiteur. Non, on est très énervé là. Là, là, on est là pour finir la game. Donc là, on fait ça comme ça, boum boum, on pète tout. Bon, moi je finis la game. Moi je finis tout seul. En mode rien à foutre. Alors là, tu vas faire quoi?
voilà, c'est le Didi One Play. Boum. Alors Bernard, alors Bernard, j'en avais marre maintenant, j'ai dit hop hop hop, stop, fini, nada, rien, rien de nido, bim 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 bim. Et maintenant, on dit non, on les arrête, on leur pète la gueule. Oh mon dieu, un mauvais choix de TP, on dirait. Donc j'avais un peu d'attack speed, ouais. Et j'avais pas envie que ce soit ma millième lose, en fait. Je voulais que ce soit ma 1107ème victoire, je vous le dis. Donc c'est comme ça. Merci en tout cas d'avoir suivi cette VOD, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. C'était nocturne, randomie. Mais en fait, c'était pas trop mal. C'était pas fou, hein. C'était pas une meilleure VOD, on va dire. Mais c'était pas mal. Voilà, on a passé un agréable moment. Merci aux abonnés qui ont joué avec nous. Désolé pour Claire Sœur qui a eu ses petites décos et tout ça. Mais on a réussi à faire des petits trucs à la fin. C'était très intéressant. Je vous fais les gros bisous. Je vous rappelle que vous pouvez laisser les pouces verts des familles. Il faut laisser les pouces verts des familles aux vidéos. C'est très important. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Jiraiya Skyheart. C'est gratuit. Et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Alors là, il n'y a pas les trucs à cliquer là-haut. Je les remettrai parce que là, je n'avais pas l'overlay. Mais vous pouvez cliquer sur les liens dans la description de la vidéo. Faites-le! Sinon, attention, je viens avec mon bonnet invisible et oh, je vous tue. Voilà. Bonne nuit. À très bientôt. Bonne nuit. Je sais pas pourquoi je dis bonne nuit. Bisous sur le cul.